Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche quinquagésime. Nous commençons avec l'introïte du jour. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice, tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, tu as mis mes pieds au large. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, nous te supplions d'écouter favorablement les prières de ton peuple, afin que nous, qui sommes justement châtiés pour nos offenses, nous puissions être miséricordieusement délivrés par ta clémence, à la gloire de ton nom, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche quinquagésime. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Osée, au deuxième chapitre, les versets 18 à 24. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître.
j'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leurs noms. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. Ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel, je répondrai au ciel, et il répondra à la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile, et ils répondront à Jisraël. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, le verset 12, jusqu'au chapitre 3, le verset 6. Quand je suis arrivé à Troas pour annoncer l'évangile de Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'avais pas l'esprit en repos parce que je n'avais pas trouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé d'eux et je suis parti pour la Macédoine. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifiée? En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu que nous parlons. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous? Ou alors de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Marc, au chapitre 2, les versets 18 à 22. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. » Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Thank you.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer la lecture de l'Évangile selon Marc, au chapitre 2, les versets 18 à 22. C'était probablement un lundi ou un jeudi, les jours traditionnels de jeûne parmi les Juifs pieux. Vous souvenez-vous de la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts? Le pharisien se vantait en disant, « Je jeûne deux fois par semaine. » Il n'y a pas de commandement dans l'Ancien Testament qui nécessitait le jeûne. Mais la tradition était de ne rien manger depuis l'aube jusqu'au crépuscule, le lundi et le jeudi. Les disciples de Jean et ceux des pharisiens respectaient la tradition. Mais les disciples de Jésus mangeaient. Et cela ne passa pas inaperçu. Les scribes s'approchèrent de Jésus en demandant pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas. Pourquoi est-ce qu'ils font quelque chose qui sort de l'ordinaire? Est-ce qu'ils rejettent la tradition de nos ancêtres? Est-ce qu'il y aura une autre raison? Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. » C'est comme si Jésus avait dit, « Je suis Dieu parmi vous. Je suis la source de joie. Je vous apporte mon salut. Je pardonne vos péchés. Puisque je suis ici, vous devez fêter. » Même pendant les périodes de jeûne traditionnelles au Moyen-Orient, une fête de mariage était considérée comme étant plus importante que le jeûne. Dans combien de paraboles Jésus compare-t-il sa venue en gloire à un banquet de mariage? Plusieurs. Pour traduire l'illustration de Jésus à l'heure actuelle, je vais vous donner un exemple. Le jour où ma femme et moi nous sommes mariés était le jour d'Action de grâce au Canada. Le repas traditionnel pour la fête inclut de la dinde, de la purée des pommes de terre, des petits pois, des haricots, de la salade et une tarte aux pommes ou une tarte à la citrouille. C'était à peu près ce que nous avons offert comme menu, avec trois choix de gâteaux plutôt que des tartes. En plus, nous avons donné le choix aux gens de nous dire s'il y avait des allergies, parce qu'au moins deux de nos invités avaient une intolérance au gluten. Nous avons aussi offert le choix d'un plat végétarien. Il y avait des cookies sur chaque table que les gens pouvaient manger à volonté. Il y avait une bouteille de vin rouge et de vin blanc sur chaque table. Et il y avait des bouteilles en réserve pour les remplacer quand elles étaient vides. Nous avons même encouragé nos amis et les membres de nos familles à nous dire s'il y avait une marque préférée d'alcool pour que tout le monde ait ce qu'il veut. Ayant tout fait pour que nos invités soient bien accueillis et puissent partager un repas avec nous, un moment de joie, j'aurais été choqué si l'un de mes invités qui était venu au banquet avait refusé de manger et serait venu me dire « Désolé, mais je jeûne. »
J'aurais été confus en pensant, qu'est-ce que tu fais donc ici si tu ne veux pas fêter avec moi? J'aurais été blessé si un ami n'avait pas voulu ce que je lui ai offert. Jésus disait que sa présence parmi ses disciples était un moment de fête. Et aussi longtemps qu'il était parmi eux, ses disciples devaient se réjouir. Mais il explique davantage. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront durant ces jours-là. Jésus parlait de sa mort et du temps entre son ascension et le jour où il reviendrait. Où il reviendra. Maintenant, nous ne voyons pas Jésus parmi nous. Nous attendons le jour où nous entrerons dans son repos céleste qu'il nous offre. Le jour où nous verrons Dieu face à face. Quand nous serons ressuscités comme lui est ressuscité. Et vivrons éternellement auprès du Créateur qui nous aime. Nous anticipons ce qu'il nous a promis. Mais comme dit, nous vivons en attente. Parfois, le jeûne est une discipline spirituelle. D'autres fois, dans ce monde de péché, la réalité de cette vie nous impose un temps de faim. Comme Moïse dit aux Israélites, il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. En voulant préparer les premiers chrétiens à cette réalité, l'auteur du premier manuel d'instruction chrétienne, la Didache, écrit que vos jeûnes n'aient pas lieu en même temps que ceux des hypocrites. Ils jeûnent en effet le lundi et le jeudi, mais vous, jeûnez le mercredi et le vendredi. Ne priez pas non plus comme des hypocrites, mais comme le Seigneur l'a ordonné dans son évangile. Et il a dit qu'il devait prononcer le Notre Père. Cela nous instruit sur le but recherché du jeûne chrétien. C'est une instruction selon laquelle les chrétiens doivent épargner du temps pour prier Dieu et intercéder pour les autres. Le but du jeûne, ce n'est pas de faire une démonstration de piété pour les autres. En ne mangeant pas pour un temps, nous nous disons à nous-mêmes, « Corps, tu n'es pas mon maître. Tu me dis que tu as faim, mais je sais que Dieu me fournira tout ce dont j'ai besoin. J'appartiens à Christ, mon roi, et mon corps sera assujetti à son service. Car je sais que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Le jeûne pourra être de ne rien manger pendant la journée, mais un jeûne pourra être aussi simple que de ne pas manger avant de recevoir la Sainte Cène, afin de dire, Dieu est priorité, et la priorité dans ma vie, et la première chose que je recevrai dans ma bouche aujourd'hui, c'est le corps et le sang de mon Seigneur, pour le pardon de mes péchés. Ceci nous mène à la dernière chose que Jésus dit dans notre lecture. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Sinon, la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux. Et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, les outres éclatent
le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Je ne suis expert ni en culture, ni en la préparation de vin. Mais ce que Jésus dit est compréhensible, même si on n'est pas expert dans ces sujets. Ce que Jésus offre par sa présence dépasse ce que la loi peut contenir. Un tissu neuf n'est pas compatible avec celui qui est vieux et usagé. Et si vous les cousez ensemble, le nouveau déchira l'ancien. Et de même pour l'exemple des outres. Quand vous mettez du vin neuf dans une outre neuve, quand le vin fermente et commence à bouillonner, le contenant s'adapte au vin. Mais une outre ancienne ne pourra pas s'adapter et va exploser. Ni la loi avec ses règlements, ni les traditions aussi sages que soient-elles, ne peuvent contenir la plénitude de la grâce et l'amour de Dieu. Jésus inaugure la nouvelle alliance. Il n'impose pas les rites de l'Ancien Testament. Mais il nous conduit vers la liberté du Nouveau Testament, de la nouvelle alliance en son sang. Jésus préférait être traité de glouton et de buveur de vin, pour montrer que la justice de l'Évangile ne se trouve pas dans l'abstinence ou dans le fait de ne pas manger. Le problème n'est ni le jeûne, ni la discipline spirituelle. Mais on ne pourra pas changer la joie que vous avez en Jésus pour vous remettre sous le fardeau de la loi. Avec Jésus, il ne s'agit pas de règles, et de religion, mais d'un changement de cœur et d'une vie nouvelle. Si vous essayez de limiter Jésus à la loi ne survivra pas. Mais pire encore, comme l'outre qui se rompt et le vin est perdu, vous perdrez Jésus et la joie de votre salut. Ce que Jésus offre nous donne une nouvelle forme de piété, qui est le reflet de son amour. Et voici comment Jésus aime son Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et Jésus reviendra pour nous chercher, pour que nous ne soyons pas seulement des invités au banquet des noces, mais pour que nous soyons son bien-aimé, pour que nous soyons son Église. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père céleste, ton Fils nous a appris à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. D'abord, nous te louons, car nous savons que c'est toi qui arroses la terre et qui la féconde. C'est toi qui fais germer ces plantes, qui fournis la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Nous te prions pour ceux qui ont faim. Ouvre nos cœurs pour que nous donnions avec générosité à ceux qui n'ont pas de quoi manger. Que les gouvernements comprennent la signification de ta parole qui dit « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foulera le grain. » Bénis les agriculteurs, les éleveurs, les vignerons et tous ceux qui gagnent leur vie en nous nourrissant, car c'est à travers eux que tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière.
Dieu d'amour, tu dis, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Nous prions pour les célibataires, en particulier pour ceux qui se sentent isolés, qui souhaitent trouver un époux ou une épouse. Bénis la préparation pour le mariage de ceux qui ont l'intention de se marier. Aide les couples à découvrir ce qu'est l'amour véritable. Que l'homme et la femme démontrent leur amour de façon que l'autre puisse le recevoir. Aide les époux à rester fidèles. Et viens au secours de ceux qui, en raison d'un manque d'amour, sont victimes de violence et de cruauté. Et finalement, nous prions que tu entoures les veufs et les veuves d'autres personnes qui les consoleront et qui les accompagneront. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu omniscient, tu nous fais connaître ta volonté à travers ta sainte parole. Tu nous révèles ta grâce en Jésus-Christ. Nous prions que tu protèges les enfants qui n'ont pas encore été baptisés, ainsi que leurs parents. Bénis les parents des enfants baptisés, ainsi que les parrains et les marraines, afin qu'ils accompagnent tes enfants, les amènent au culte et les instruisent dans la vérité. Bénis l'instruction catéchétique des enfants et des jeunes, pour qu'ils soient remplis de sagesse et pour que ta grâce soit sur eux. Que l'enseignement de ta sainte parole profite à ceux qui ne te connaissent pas. Conduis-les vers ton Église pour qu'ils apprennent ce que tu enseignes et se préparent pour le baptême. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de grâce et de miséricorde, nous te louons pour ta bonté et ta générosité. Nous réjouissons avec eux, avec ceux qui ont cherché un emploi et qui en ont trouvé un. Et nous te prions pour ceux qui sont toujours à la recherche de travail. Aie pitié de ceux pour qui nous te prions aujourd'hui, ceux qui sont blessés physiquement et qui sont en train de guérir, ceux qui sont malades et souffrent chaque jour, ceux qui luttent contre une addiction, ceux qui vivent les effets de la guerre, ceux qui sont menacés et persécutés, et ceux qui sont dans le deuil. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains, ainsi que tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde, qui vient à nous à travers Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.